Bonjour, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo de présentation d'un album que j'ai réalisé pour ma filleule. Donc c'est à partir des papiers Stamperia, orchidées et chats. J'ai utilisé trois feuilles du bloc 30-30. Un bloc entier de feuilles 20-20 et à peu près la moitié des die-cuts qu'il y avait dans la collection, donc il m'aurait suffisamment pour faire un petit projet. L'album se présente ainsi. Donc devant, j'ai fait une ouverture. On peut mettre une photo cachée. Vous avez également des fleurs. J'ai mis en 3D et j'ai mis des nouveaux dessus qui correspondaient aux couleurs de chaque partie de fleurs pour les faire ressortir. La tranche fait 21 sur 20. Enfin, la page fait 21 sur 20. La tranche fait 10 cm, donc sur 20. Et pareil, derrière 21 sur 20. Donc de la dentelle, des petits strass et une étiquette de la collection pour rappeler le chat. Tout simple. J'ai fermé à l'aide d'un grand ruban rose et il se présente ainsi. Hop, que vous voyez tout. La première page de couverture, donc j'ai simplement fait trois pochettes avec des cartes différentes où on peut rajouter des papiers, des documents ou des photos et de la dentelle qui va être mon fil conducteur. La page 1, vous avez une pochette qui correspond au niveau de la fermeture de la page, avec des tampons de chat. Sur chaque page, j'ai fait une doublure de page qui se présente ainsi. Ceci, ça s'ouvre avec un aimant et une petite cascade toute simple avec des photos 10-10. La page 2. Donc ici, deux tags. On ouvre ainsi. Là, on peut faire du journaling. On ouvre ainsi. Là, on a la place pour mettre une photo. Et ça descend ainsi. Photo, photo et un espace photo. Page suivante, donc elle s'ouvre comme ceci. Donc toujours dans la pochette de une carte, dans la doublure de page, excusez-moi pour la lumière, dans la doublure de page, on a toujours une carte, donc ça s'ouvre ainsi. Là, on a une carte. On peut mettre quatre photos et ça s'ouvre ainsi. Ici, des pochettes où on peut mettre ici une carte à ce niveau-là. Ici, il y a une carte, ici aussi pour faire du journaling. À l'intérieur, j'ai mis une carte et une autre qui s'ouvre ainsi. La page suivante. Donc, un aimant ici, un aimant ici, un aimant au milieu de la page, ce qui permet de tenir le tout. Ça s'ouvre
ainsi et ça s'ouvre ainsi. Cette page là, on a, on ouvre, ici on a donc un espace auto avec le journaling et j'ai fait plusieurs espaces photo. Là on ouvre encore et la photo avec journaling. Page suivante, toujours dans la doublure de raccord plus doublure de page. On a ici un passant où j'ai mis une carte toute simple. On ouvre ainsi et là on va avoir et pareil dans l'autre sens. Hop. On tourne. Page suivante. Aimant sur le bas, rappel de la dentelle. On a un petit chat et là c'est une cascade où l'on tire. Cette page s'ouvre. Cacher de nombreuses photos, une ici où on peut mettre derrière également, une ici et un superbe papier que personnellement je ne cacherai pas. Après, des aimants retiennent le tout ici, ici. Là, je pourrais mettre une petite photo derrière. Pareil, les aimants retiennent le tout. Suivante, on a la doublure de page, la pochette où la carte est raccrochée, une carte qui tient le tout ici. On ouvre ici, ici. Et ici, possibilité de mettre plusieurs photos ici et de fermer l'ensemble et de remettre une carte. Voilà. On tourne l'ensemble, la petite maison. Donc, on l'ouvre. En faisant ainsi, on ouvre le toit, ça permet de solidifier, ça s'ouvre ainsi. Donc on va faire la partie haute de l'album, partie haute de l'album. Donc j'ai mis une carte où on peut faire du journaling qui cache une autre carte, on peut mettre une photo derrière et une photo devant. Une carte avec la règle, j'ai fait les petits pointillés et j'ai laissé de quoi passer la photo derrière les feuillages. Des espaces photo ici, une carte, une pochette, pardon, une grande pochette qui va jusqu'au fond. Elle est relativement grande, on peut mettre ce que l'on veut. Journaling ici et ça s'ouvre encore. Ça ne veut pas rester allumé, excusez-moi. Donc ici, espace photo, journaling, espace photo, 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 journaling et photo.
dernière page, la couverture. Où ça s'ouvre. On enlève un livret. On peut faire du journaling. Ici, pareil, du journaling. Et des grands espaces photos. Voilà, dans une pochette boîte. On referme le tout. Voilà pour la présentation de cet album. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce. N'hésitez pas à faire des remarques sur l'album, de telle manière à ce que je continue à progresser. L'album, je me suis aidée du tuto de Dominique, qui est André Demeure, si on cherche sur YouTube. Et puis des petites variantes qui me correspondent personnellement. Voilà. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt.